Je vais leur montrer la chaîne. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau, Alexandra? T'as trouvé un parcours santé? Bah, un seul, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est un parcours santé avec une santé. Voilà. Hop. Ah, dis donc. Par contre, je suis petite, hein. Oui. Les jambes, elles sont tendues. Youhou. Et alors? Quoi? Alors quoi? Heureuse? Est-ce que t'es heureuse? Ouais. Ah bah ça a l'air. Hein. J'ai les bras. Mais par contre c'est chelou, mais voilà. Un peu, hein. C'est un peu chelou. Ça. Ben oui, c'est quoi ce truc là? C'est pour les gars en manque. Ah, ah oui, donne le coup de rein. Nom des dieux. Coup de rein. Allez. Tu nous expliques ce que tu fais, t'as encore trouvé un autre manège là. Ouais. Alors c'est quoi celui-là? C'est pour faire les jambes. Et pourquoi tu pousses avec les bras alors? Je pousse pas avec les bras, je pourrais le faire sans les bras. Mais... Ah ouais? Ah ben dis donc. Bon, par contre ça remonte pas, du coup ça fait pas des vrais pas. Ah bon? Non, c'est en fait je fais donc... du patin à glace. Ah ouais, ça sert à rien ton truc, c'est du ski de fond, c'est quoi? Ah en plus il y a un truc pour poser son gobelet. Et un truc pour poser à manger. Donc en fait tu fais disparaître et tu bouffes en même temps. Ah bah c'est pratique ton truc. Comme ça tu reprends les kilos que t'as perdu. Ah la bonne heure. C'est encore plus chelou. Hein? C'est encore plus chelou. Il me semble hein. Non, allez c'est vrai qu'il y en a un autre. Alors c'est quoi ce manège là Alexandra? Explique moi un petit peu. Qu'est-ce que c'est? C'est chelou. C'est chelou, pourquoi c'est chelou? Ah oui! Ah oui, d'accord! Off! T'as toujours un truc avec toi! Ah, dis. Alors tout à l'heure c'était le coup de rein, maintenant c'est. Ah bah en fait c'est pour apprendre à écarter les pattes là. Ah dis donc! Ah ouais? Mais ça fut pour inventer ici! Mais et c'est des manèges de dégueulasse ça! Ah voilà, j'avoue, pendant tout le monde c'était des manèges de dégueulasse! T'es où? T'es dans quel pays pour avoir des manèges de dégueulasse comme ça? T'es à Anvers! C'est ah, ça? Encore, moi je croyais que c'était un truc qui se balançait comme ça là, tu vois? Ouais! Comme ça, mais non, en fait, c'est un truc pour faire ça. Ah, dis donc. Soit ils ont mis le frein au mauvais endroit, mais je vois pas. Eh ben, mon vieux, des sorties comme ça, tu vas m'en inventer combien? Je sais pas, c'est toi qui vas me dire. Et c'est quoi le prochain manège? Attends, moi je le mets là. Je le mets là. Ah, j'arrive pas. Ah, tu vas l'endormir. Tu fais du magnétisme cheval, on appelle ça. Magnétisme équin. Ouais. T'es comme moi, toi, t'aimes pas les animaux, hein. Hein, ma veto? T'aurais pu être veto, là, tu sais. C'était ce que tu voulais faire, d'ailleurs, tu m'avais dit. Hein. Tu veux que je continue? Ouais, tu penses. Il est heureux, hein. Ah, c'est beau. C'est trop beau. Mes petits copains, vous avez été donc magnétisé par Alexandra, nourri par Alexandra. On vous a passé le foin de l'autre côté de Barbelais. Vous êtes trois, là. Ça y va, hein. C'est bon, ça. Donc, je t'imite le cheval. Merci, Alexandra. Ouais, je m'appelle Cheval Beau Bâton. Pour le droit. Moi aussi. Attends, je te le fais sans lunettes. Tu vois mes yeux? Il est en train de te regarder, genre. Regarde sa gueule. Merci, Alexandra. Ça résonne en plus. Oui, bah c'est fait pour. Faut qu'il leur ramène à manger et qu'ils enlèvent les barbelés, bordel de merde. Enfin, au moins, mettre un grillage, mais sans barbelés. T'as vu, s'ils aiment pas les caresses, s'ils aiment pas. Quand on leur parle tout doucement, ils adorent ça. Ouais, ils gazolent. Ah ouais. Ils bichaient. Putain, je ferme les yeux. Ouais. Je dis putain, il va tomber, il va tomber. Il tombe. Alors ça s'appelle tomber en pâmoison, devant ma petite fille Alexandre. Elle est pas belle la vie. Charmeuse d'animaux. Ouais, c'est beau ça. Et on leur fout une corne, charmeuse de licorne après. T'as vu ça? Tu leur mets une corne là, ouais. Des confettis dans la gueule, des paillettes partout, et puis la vie est belle. Bon, les petits copains. J'ai remis, je l'ai éteint la crinière en rose. C'est pas tout ça, mais on y va, hein? Ouais.
Fais pas la gueule, t'es pas un monstre. Et fais gaffe, t'arrives au centre de la Terre, là. Tout ça. Ah, dis donc. Tout ça de profondeur. Alors, avant, t'avais les travailleurs de la mer. C'est un livre, ça. Maintenant, t'as les travailleurs de la terre et des bois. Regarde-moi ça. Cette nature là qui... T'as vu cette... Merci Alexandra parce que... Bon, j'entendais l'eau couler mais j'avais pas vu. C'est une jolie petite... petite source, on va dire. L'eau est belle, t'as vu, elle est bien claire. Regarde au fond là, ça fait comme une vasque au fond là, tu vois. L'eau est bien claire là, t'as pas de pollution là. Parce que tu as eu un filtre naturel avec les roches, avec la terre, et ce qui sort là, là, tu peux le voir. Hein. C'est tellement limpide. Bah alors ? Je suis prisonnier, j'ai un arbre qui m'est tombé sur la gueule. Sérieux ? Mais tu vois bien, regarde. Ouais. T'as des épines partout, moi je suis pas le Christ, hein. Bon, sors-moi de là. Ouais, tu peux sortir. Hein. Si t'aimes ton grand-père, sors-le de là. Tu peux sortir, hein. Ah bon, merci. Ah, ah ouais, t'as raison. Mais pourquoi tu gueules alors, papy? Bah ouais. Oh, t'es bien un fou, t'es bien un fou, t'es bien un fou. Quoi? Moi? T'as une gueule d'innocente. Ouais, je sais, je sais. Ah bon? Ouais. T'en es consciente? Oui, je suis consciente. Oh, ça y est. Oh non, t'es Dieu. Voilà ce qu'elle fait, ma petite fille. T'as entendu comme ça a craqué ma nuque? Mais moi j'y suis pas arrivé à avoir les cheveux dans les yeux. Je sais pas comment tu fais. J'ai des cheveux moi. Moi. Et moi j'ai quoi? J'ai quoi moi sur la tête? Ah bah rien papy. T'as plus rien mon pauvre papy. Et en plus, t'as été chez le barbier, chez le coiffeur, bah t'as plus rien du tout. Ouais. Et on t'a pris 11 euros pour ça? Ils sont gonflés à papy.